verset 18, juste un seul verset. Et on ne va pas être long aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Rien de bon à nous, mais il est venu quand même. Nous étions indignes à le louer. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de le prédicateur qui était en train de prier avec quelqu'un et la personne lui dit, c'est, pasteur, tu ne sais pas les choses que j'ai fait. J'ai été méchant, j'ai été mauvais, j'ai fait ceci, je fais cela. Je ne suis pas vraiment digne de recevoir ce pardon. Et le pasteur le regarda droit dans les yeux et lui dit, Jésus sait que tu es indigne de recevoir ce pardon. Il n'y a pas de doute là-dessus, il le sait. Mais es-tu assez indigne pour recevoir la grandeur de cet amour? Et des fois, nous le regardons à l'envers. C'est justement parce que nous sommes indignes qu'il est mort à la croix. Amen. Mais es-tu assez indigne pour accepter au moins cela? Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 5, 18, il nous dit, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Rendez grâce en toutes choses. Regardez votre voisin, dites-lui, en toutes choses, pas en certaines choses, en toutes choses. Hein. Pas dans les bonnes choses seulement, mais en toutes choses, rendez grâce au Seigneur, car telle est sa volonté en Jésus-Christ à notre égard. Prions tous ensemble. Papa, nous te remercions, Éternel, pour ton amour. Pour ta bonté, Papa, pour ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être récipiendaires, Papa, de cette grâce et de cet amour. Nous te prions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous venons pour, Papa, regarder à ta parole. Nous te prions de nous aider, Seigneur, de la discerner, Papa, de la recevoir et de lui réserver une place de choix dans mon cœur, car Papa, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous sommes charnels, ta parole est esprit, et elle est folie pour nous. Mais avec ton aide, Seigneur, nous pouvons, Papa, la recevoir, nous pouvons la voir, produire de fruits en nous, Papa, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Papa, avec action de grâce dans le cœur, nous te remercions, et nous disons cela au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le dimanche de l'action des grâces. C'est un de ces dimanches où, au fait, tu n'as pas beaucoup de loisirs quand tu pries pour chercher la face de Dieu. Tu veux être dans le thème du sujet aujourd'hui. Et faut que le Seigneur te parle vraiment et que ça résonne, tu sois sûr pour dire autre chose que action de grâce. Aujourd'hui, c'est l'action des grâces. Est-ce qu'il y en a qui ont préparé la dinde chez eux? Il n'y a pas une seule dinde de préparer dans la congrégation. Ça, c'est triste. Alléluia. Qu'est-ce qu'on mange pour l'action des grâces? La chèvre. Est-ce qu'il y en a qui ont préparé la chèvre, au moins? Ou c'est, ça va être une chèvre achetée, commandée? Aïe, aïe, bon, en tout cas, l'action de grâce à l'africaine, c'est la chèvre, en tout cas. Et on aurait tout entendu dans cette église. Mais traditionnellement, c'est un jour où les familles se réunissent. Bien que nous n'avons pas le droit de nous réunir aujourd'hui, traditionnellement, les gens voyagent de loin, surtout ici en Amérique du Nord. C'est un grand jour, c'est une grande fin de semaine où
les transports sont sollicités extrêmement, les avions, les voitures, les trains, et tout le monde rentre à la maison. Ceux qui étaient à l'internat rentrent à la maison, ceux qui étaient sur le campus rentrent à la maison parce que c'est l'action de grâce et on va fêter l'action de grâce à la maison. Et d'où vient cette tradition? Cette tradition vient des colons, les premiers colons qui sont venus de l'Europe. Leur première année était dure. Ils ne savaient pas c'était quoi l'hiver. Pour survivre, ils ont dû être... leur première année, il y a eu beaucoup de décès suite au froid. Et pour survivre, ils ont dû apprendre des autochtones qu'il faut s'aimer en tel temps et récolter en tel temps avant que le froid n'arrive. Et lors de cette première année de semence, ils ont eu leur moisson. Et pour rendre grâce à Dieu de leur moisson, ils ont institué ce jour qui est au fait en début de la période d'hiver ou à la fin de la moisson, de la récolte, pour remercier le Seigneur de la moisson et de la provision afin de passer à travers le temps de l'hiver. Mais l'action des grâces n'était pas juste une tradition américaine, mais même en Europe, on voyait déjà des fêtes similaires. Ici au Canada, c'est célébré le lundi la première semaine du mois d'octobre, le premier lundi après la première semaine, on célèbre l'action de grâce. Ça vient plutôt au Canada qu'aux États-Unis parce que eux étant un peu plus dans le sud, leur période de moisson vient un peu plus tard. Et au fait, il est intéressant de réaliser que tout ceci était un remerciement à Dieu. Amen. Ce n'était pas juste un jour où il fallait beaucoup manger, mais c'était un remerciement à Dieu. On rend grâce pour la récolte. Mais le passage que nous avons lu tout à l'heure ne nous exhorte pas à rendre grâce seulement pour la récolte, mais pour toute chose. Et aujourd'hui, nous pouvons réaliser que nous sommes dans une société exempte, quasiment exempte de gratitude. Aujourd'hui, on voit très peu de reconnaissance. Tu tiens la porte à quelqu'un et la personne passe sans dire merci. Aujourd'hui, tu peux voir, même dans les petits enfants, tu leur donnes quelque chose. Il faut que les parents insistent pour dire « Hey, qu'est-ce qu'on dit ?» Il y en a qui sont même assez têtus que même, il prend ton bonbon, tu lui dis de dire merci, il te regarde et puis il part. C'est cette génération que nous sommes en train de dealer avec aujourd'hui. On pense que tout nous est dû. Et à penser que tout nous est dû, mais on n'a pas de gratitude, on n'a pas de reconnaissance. Mais laissez-moi vous dire que c'est une grande source de problèmes sérieux qu'est l'ingratitude. Nous devons apprendre à dire merci, à avoir de la reconnaissance. Je disais tout à l'heure quand je me préparais, et il y a une place dans la Bible où la Bible nous donne un peu les résultats de cette manque de gratitude. Et c'est dans le livre de Romains, c'est un de mes passages les plus préférés. Ça dit, Romains chapitre 1, verset 18, nous dit ceci, « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans la justice, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu les leur a manifestés. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. » Regardez le verset 21. Le verset 21 nous dit « Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
et ne lui ont point rendu grâce. Ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils ne lui ont pas rendu grâce. Un peuple qui ne rend pas grâce à Dieu est destiné à la perdition. Un peuple qui ne rend pas grâce à Dieu est destiné à la destruction. Regardez les conséquences dans ces versets de ne pas rendre grâce à Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Alléluia. Quand on ne rend pas grâce, notre raisonnement devient tordu, notre raisonnement devient vain. Nous devenons le centre, alléluia, de tout intérêt et nous ne savons plus mettre les choses en équilibre. Et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. S'éventant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. Car on ne rend pas grâce à Dieu. Alléluia. On devient le centre de tout notre intérêt. On ne reconnaît plus vraiment qui nous sommes. On ne reconnaît pas Dieu. On prend les choses pour acquises. Et c'est cette génération à laquelle nous sommes en train de faire face aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Déjà qu'on ne rend pas grâce à Dieu pour les bonnes choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui, il devient encore doublement plus difficile aujourd'hui de voir des gens qui rendent grâce à Dieu pour leurs difficultés. Nous devons rendre grâce à Dieu pour les difficultés. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nos manquements. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nos faiblesses. Laissez-moi vous dire, j'étais en train de me gratter la tête. Nous voulons que Dieu ôte nos faiblesses, mais non, nous ne voulons pas que Dieu ôte nos faiblesses. Nous voulons que Dieu nous apprenne à nous appuyer sur lui dans nos faiblesses. Parce que c'est même ces faiblesses de foi qui nous permettent de nous garder dans les voies de l'Éternel. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Et nous pouvons regarder partout dans la parole de Dieu, voir à maintes occasions, à maintes reprises où les hommes ont été confrontés à des situations et ils ont rendu grâce à Dieu. Regardez, je me suis arrêté sur psaume 63 hier soir. Psaume 63 de David nous dit ceci. Psaume de David lorsqu'il était au désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi, ma chair te souhaite dans cette terre aride, desséchée sans eau. David, dans un moment difficile, il a trouvé une façon de rendre grâce à Dieu. Il a regardé sa situation, il l'a appliqué ou il l'a appuyé sur Dieu pour voir ta force et ta gloire comme j'étais contemplé dans le sanctuaire. Regardez le verset 4, car ta bonté est meilleure que la vie. Mes lèvres chanteront tes louanges. Laissez-moi vous dire, même si cette vie nous châtie, la bonté de Dieu est meilleure que la vie. En d'autres termes, alléluia, la bonté de Dieu n'est pas mesurée par il me donne ou il me donne pas. La bonté de Dieu est mesurée tout simplement par ce qu'il est et ce qu'il a accompli pour moi à la croix. Cette vie peut être vide, cette vie peut être misérable, mais ce qu'il a accompli à la croix me donne sa grâce. Et cette grâce me permet de voir au-delà de cette vie présente. C'est pourquoi David pouvait dire, ta bonté vaut mieux que la vie. Nous avons chanté tout à l'heure, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. J'étais indigne de la grâce de Dieu. Mais cette grâce m'a trouvé tel que je suis. À travers la parole, nous allons entendre dire que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Recevez la grâce du Seigneur. Vous savez, c'est quoi même la grâce du Seigneur? Après étude, après avoir mis tout cela dans la balance, je n'ai vu qu'une seule chose qui était vraiment la grâce du Seigneur. C'est le privilège d'avoir nos péchés pardonnés. Amen.
Au fait, la grâce me permet d'éviter une punition bien méritée. C'est pas sa grâce. Au fait, il me donne quelque chose que je ne méritais pas. Amen. Je n'ai jamais mérité le salut. Amen. Il me l'a donné gratuitement. Amen. Tu n'as jamais mérité le pardon. Il nous l'a donné gratuitement. Et la grâce du Seigneur est disponible aujourd'hui pour quiconque. Il l'a rendu cela tellement simple et tellement facile que les gens la regardent aujourd'hui et disent, mais ce n'est probablement pas cela. Écoutez, c'est aussi simple que il est venu, il est mort à ta place, il a revêtu de l'humanité pour te ressembler afin qu'il puisse porter tes péchés à cette croix infâme à ta place. Il a pris ta place et il est mort à ta place. Et pour recevoir cette grâce, tu dois juste t'identifier à lui. Tu dois te repentir de tes péchés. Par ta repentance, tu t'identifies à sa mort. Tu dois être baptisé en son nom pour le pardon des péchés, comme on va le faire tout à l'heure. Par le baptême, tu t'identifies à son ensevelissement. Et quand tu es baptisé en son nom, c'est le nom de Jésus que tu révèles littéralement. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça, c'est ta résurrection. Alléluia, que tu reçois. Et cela est disponible pour quiconque veut. Pour quiconque veut. Il n'y avait pas de mérite. Cette grâce nous a trouvés dans la boue. Cette grâce nous a trouvés, alléluia, perdus, abandonnés. Même là où le monde nous a rejetés, lui, il nous a accueillis. Amen. Alléluia. Sa grâce est disponible aujourd'hui pour quiconque. Sa grâce est disponible aujourd'hui pour quiconque. Le verset que nous avons lu à l'ouverture du service nous dit ceci. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Les bonnes comme les mauvaises, rendez grâce. Mais regardez un peu ceci avec moi. Rendez grâce. Tu as reçu une grâce que tu ne méritais pas. Il faut que tu rendes cette grâce. Mais tu ne peux pas rendre quelque chose que tu n'as pas reçu. Amen. Allô? Amen. Tu ne peux pas rendre ce que tu n'as pas reçu. Et la seule façon de la recevoir, c'est l'obéissance à l'Évangile. Amen. Il n'y a qu'un seul peuple vraiment qui peut rendre grâce au Seigneur. C'est ceux qui ont reçu de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce verset peut nous dire « Rendez grâce en toutes choses ». Parce qu'une fois qu'on a reçu sa grâce, laissez-moi vous dire, la maladie n'est plus un problème. Une fois qu'on a reçu sa grâce, on est en route vers l'éternité. Une fois qu'on a reçu sa grâce, ce n'est pas 80 ans qui va être un problème. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons nous dire, rendez grâce en toutes choses. Parce que, alléluia, ce n'est pas seulement dans cette vie que nous espérons dans le Seigneur. Nous espérons en lui, dans cette vie, nous espérons en lui. Au-delà, même si cette vie, alléluia, ne nous rend pas justice. Laissez-moi vous dire, l'éternité nous rendra justice. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur aujourd'hui parce que nous sommes récipiendaires de cette grâce. Nous pouvons rendre grâce aujourd'hui, parce que nous sommes récipiendaires de cette grâce. Laissez-moi vous dire, tu n'es peut-être pas à la place où tu dois être. Alléluia. Mais tu peux te rattraper aujourd'hui, tu peux te reprendre aujourd'hui, tout simplement en rendant grâce à Dieu, en te levant et en disant merci Seigneur, alléluia, d'avoir payé le prix. Alléluia, merci Seigneur, d'avoir versé de ton sang. Je viens en ce moment pour te rendre grâce, parce que je sais que dès le départ, je n'ai pas mérité ceci. Dès le départ, je n'ai pas été dit. Dès le départ, je n'ai pas mérité ceci. Tu me l'as donné, mais je viens te le rendre. Mais peut-être que tu as commencé cette marche, mais que tu n'as pas été à mesure de la tenir jusqu'au bout. Qui d'entre nous ici a trébuché après avoir reçu cette grâce? Qui d'entre nous a failli? Oh, alléluia, que nous pouvons tous lever nos mains. Vous voyez, cela n'a fait que confirmer ce que le Seigneur a déclaré dès le départ. Nous ne sommes pas dignes. Il savait que nous n'étions pas dignes. Mais même après avoir
sont pas dits. Même après avoir su qu'après avoir reçu sa grâce, nous allions faillir, il est quand même allé à la croix pour nous parce qu'il savait que si, alléluia, nous nous relevons, il est prêt à nous accueillir. Alléluia, il est temps, alléluia, que nous réalisons que sa grâce, alléluia, est gratuite et que nous commençons à la lui rendre comme il nous l'a donnée. Alléluia, rendez grâce en toutes choses. Des fois, ça va mal, mais nous sommes appelés à rendre grâce. Des fois, alléluia, tout va bien. Certains d'entre nous, c'est lorsque tout va bien que nous oublions de rendre grâce. Nous aurions tendance à penser que, oh, quand tout va bien, c'est là que nous allons rendre grâce au Seigneur. Mais j'ai vu plusieurs, que lorsque ça allait mal, ils étaient dans la maison de Dieu. Ils rendaient grâce à Dieu. Mais lorsqu'ils ont été bénis, piou, portée disparue. Disparu, missing in action, porté disparu. On les cherche, on ne les trouve plus. Mais en toute chose, nous devons rendre grâce. Pas seulement dans nos malheurs, mais dans nos bonheurs aussi. Pas seulement dans nos bonheurs, mais dans nos malheurs aussi. Pas seulement dans nos malédictions, mais dans nos bénédictions également. Mais non seulement dans nos bénédictions, mais dans nos malédictions également. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car telle est sa volonté, alléluia, en Jésus-Christ à notre égard. Alléluia. Juste encore un autre passage. Alléluia. Philippiens 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore. Réjouissez-vous, 4, je vous dis. Philippiens 4. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous, ou je le répète, réjouissez-vous. Et regardez un peu le choix de mots ici. Il dit, réjouissez-vous toujours. Il n'a pas dit, soyez heureux toujours. Il dit, réjouissez-vous toujours. Et le mot racine dans ceci, c'est la joie. Amen. Et il y a une grande différence entre la joie et le bonheur. Amen. Le bonheur dépend de l'heure, mais la joie est reposée sur Dieu. Amen. Le bonheur est acquis par l'extérieur, mais la joie émane de l'intérieur. Amen. Dieu ne nous demande pas à chercher le bonheur. Dieu nous demande à avoir la joie en nous-mêmes. La joie va être là même lorsque dehors tout est détruit et tout ne va pas, parce que la joie est basée sur Dieu en nous. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous pouvez vous réjouir toujours lorsque vous pouvez rendre grâce. Vous pouvez trouver de la joie dans toutes circonstances si vous reconnaissez que... Et écoutez, nous disons cela, mais nous ne croyons pas vraiment cela. Très souvent, nous disons, et ça c'est un des versets favoris des chrétiens, quand ils rentrent dans un magasin et ils trouvent quelque chose à rabais. Ils vont dire, oh, tout concourt au bien de cette créature. Mais quand ils sont malades ou quand il y a un accident, là, Seigneur, pourquoi? N'est-ce pas toi qui as dit hier que tout concourait au bien de ce qui aime Dieu? Si nous réalisons que tout concourt au bien, nous pouvons garder notre joie même au milieu des épreuves. Parce que si nous faisons la somme ou la totale, au final, Dieu nous fait toujours arriver au-dessus du problème. Nous n'allons pas le voir tout de suite, mais nous voulons. C'est comme le principe est là partout. Qui va encore à l'école ici?
Bon, quelques-uns. Et c'est pas agréable d'étudier. Mais, oh, que ça fait du bien de faire l'examen lorsque tu as étudié. Mais quand c'est le temps d'étudier, ah, c'est le calvaire, c'est la punition. Où est David? C'est dur. Mais quand tu as étudié, oh, que tu es content de passer l'examen. Hein? N'est-ce pas, fils? Alléluia. Oh, que tu es content de... Écoutez, les moments difficiles, c'est toujours pour nous préparer pour l'épreuve à venir. Et si nous réalisons cela, nous pouvons rendre grâce à Dieu et nous pouvons nous réjouir même dans nos épreuves. Nous allons savoir qu'il y a quelque chose, il y a une victoire qui vient au bout de ceci. Laissez-moi vous dire, là je m'égare un peu, mais je veux juste le laisser sortir. Tu veux être guéri, mais tu ne veux pas être malade. Tu veux te réjouir de la guérison, mais la maladie, Tu veux voir Dieu pour voir, mais tu ne veux pas être cassé. Comment on va savoir que Dieu pourvoit si tu n'es pas cassé? Je veux dire cassé de paumé, pas cassé de cassé. Amen. Ça prend le besoin pour montrer la grandeur de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Ça va être pour un autre service. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Laissez-moi vous dire, il revient bientôt. Regardez le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Même dans les besoins, rendons grâce à Dieu. Même lorsque nous sommes en manque, alléluia, que non seulement nous prions, mais que nos prières soient accompagnées d'actions de grâce, d'actes de reconnaissance qui retournent cette faveur à Dieu qui en est l'auteur de toute façon dès le départ. Nous voulons être des gens qui sont pleins de gratitude, qui rendent grâce à Dieu. Mais tu ne peux rendre cette grâce si tu ne l'as point reçue. Alléluia. Tu ne peux pas rendre la grâce si tu ne l'as pas reçue. Nous sommes, le chrétien devrait être le plus grand, je vais utiliser un terme, peut-être que je vais me faire fustiger par les francophones, le chrétien devait être le plus grand rendeur de grâce qui existe. Amen. Je ne sais pas si c'est un mot qui est... On va le prendre. Amen. Ça devrait être le plus grand rendeur de grâce. Amen. Ceux qui rendent le plus la grâce à Dieu, plus que toute autre chose, parce que même dans leurs épreuves, peuvent toujours sortir au début. En ce jour d'action de grâce, pouvons-nous juste passer un seul jour sans complainte, sans murmure, comme nous l'avons lu dans le livre d'Éphésiens. Si vous rentrez à la maison et que ton frère mange ta nourriture, dis gloire à Dieu. Amen. Si tu arrives et que maman a voulu chauffer la nourriture et puis un coup de fil est rentré, elle était au téléphone, la nourriture a brûlé, gloire à Dieu. Amen. S'il y a trop de sel dans la nourriture, gloire à Dieu. Amen. Si on te coupe dans le trafic, alléluia, salue la personne avec un alléluia et bénis la personne. Amen. Juste un seul jour. Qui s'est déjà plaint depuis ce matin? C'est l'action de grâce. Oh Seigneur, aide-nous. Charge-nous, Seigneur. Bon, ok. Nous servons un Dieu de seconde et de troisième chance. Amen. Et il nous accorde, disons que vous avez oublié quand vous êtes réveillé. Mais maintenant, à partir de maintenant, est-ce qu'on peut au moins garder les heures qui
sans se plaindre, juste pour aujourd'hui. Par toute chose, nous allons rendre grâce. Ça ne va pas, nous allons rendre grâce à Dieu. Tu t'arrêtes aussi pour comme on te donne un café qui est froid, dis seulement Alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur, bénis cette personne, aide-la à te connaître. Et en toute chose, rendons grâce à Dieu juste pour un jour. Un jour seulement, même pas un jour au total, juste quelques jours, quelques heures. Il est déjà 15h15. Il est déjà 15h15. Il reste à peu près moins de 9 heures à la journée. Juste moins de 9 heures, pas de plainte. Qui est prêt à relever ce défi? Moins de 9 heures, pas de complainte. Moins de 9 heures, pas de complainte. Alléluia. C'est l'action de grâce. On va retourner à la maison s'il n'y a pas de dette. Alléluia. S'il y en a, gloire à Dieu. Et on va se lever tous ensemble. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez recevoir sa grâce aujourd'hui. Vous pouvez recevoir cette grâce qui surabonde. Cette grâce qui va au-delà de tout péché. Cette grâce qui se renouvelle jour après jour. Vous pouvez la recevoir en obéissant à son évangile. La repentance, le baptême d'eau, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que votre obéissance. Si vous nous écoutez quelque part, contactez-nous de là où vous êtes. Laissez-moi vous dire, venez recevoir cette grâce afin d'être à mesure de la rendre à son auteur. Amen. Alléluia. Je veux, alléluia, recevoir cette grâce afin d'être à mesure de la rendre. Laissez-moi vous dire, si nous sommes ici aujourd'hui, le Seigneur est bon. Amen. Si nous sommes ici aujourd'hui, le Seigneur est bon. Amen. Il y a à peine une semaine et demie, un frère à l'église de l'Est, le frère Aurélien, je pense que sa mère, qui habite avec eux, est tombée. On l'a précipité à l'hôpital. Et après examen, une jeune maman qui venait à l'église de l'Est, elle était dedans dans les prédications. Mais, comme ça, les médecins disent, elle a fait une hémorragie interne, il y a eu beaucoup trop de pression et une de ses vaisseaux sanguins a explosé dans le cerveau. Et le sang a coulé, il faut l'opérer rapidement. On l'a opéré et vous savez, on est en train de rendre grâce à Dieu pour elle. Le médecin m'a dit qu'elle va être paralysée d'un côté et qu'elle ne va pas entendre quand elle va se réveiller. Elle s'est réveillée avant-hier. On a appelé son nom et elle a tourné la tête. Vous savez, sa vie a changé, mais nous rendons grâce à Dieu. Sa vie ne sera probablement plus la même. Mais en toute chose, rendons grâce à Dieu. En toute chose, rendons grâce à Dieu. Des fois, ne succombons pas dans l'ingratitude de cette génération. Nous regardons la situation autour de nous aujourd'hui. Et il y a une pandémie qui nous frappe. Nous sommes confinés contre notre volonté. Moi, je n'aime pas être confiné. Amen. Il y en a pour qui ça ne fait pas de différence, ils aiment rester à la maison. Mais moi, je dois bouger. Je dois bouger. Je dois faire des choses. C'est difficile. Nous rendons grâce à Dieu. Juste durant le confinement, je pense que nous avons presque baptisé une vingtaine de personnes déjà. Une trentaine qui ont reçu le Saint-Esprit. Juste dans le confinement. Rendons grâce à Dieu en toute chose. Nous regardons cette pandémie comme un problème. Mais laissez-moi vous dire, il y en a qui regardent cette pandémie. C'est la raison même pour laquelle ils sont en train de chercher et de connaître Dieu. Amen. En toute chose, rendons grâce à Dieu. Rendons
avait fini de construire l'arche. Il est entré, lui, avec sa famille. Un jour, il n'a pas plu. Deux jours, pas de pluie. Trois jours, ça sentait mauvais dans l'arche. Mais laissez-moi vous dire, c'était un calvaire pour Noé. Mais c'était la grâce qui était manifestée pour ceux du dehors. Ce n'est pas parce que tu es en manque que Dieu n'est pas à l'œuvre. C'est pourquoi nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dieu n'est pas défini par nos besoins. Dieu n'est pas défini par ma situation. Dieu n'est pas défini par mes circonstances. En toute situation, rends grâce à Dieu. Tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, mais Dieu est en train de travailler ailleurs. Juste une autre anecdote en passant rapidement. Alors que je travaillais encore dans le monde séculier, j'avais dans mon cubicule, il y avait 4 personnes, bien entendu. Il y avait un jeune Chinois qui s'appelait Jackson, un vieux Canadien qui s'appelait Hughes, et une autre personne qui n'était pas du tout intéressée dans la parole du Seigneur. J'avais ma mire sur les Chinois. Je lui ai parlé de la parole de Dieu. À chaque jour, je lui parlais. Je lui parlais. Les Chinois, un jour, il est allé à Hong Kong, il est revenu avec une Bible en chinois. Content. J'ai commencé à atteindre un autre jeune. Lui, il était un peu plus. Il me disait, je suis jeune. Ça s'appelait Chapados. Et je suis jeune. Je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Et je me rappellerai un jour, je lui dis, ça ne change rien que tu sois jeune. Demain, tu peux tomber et puis c'est fini. Mais ce sont ces paroles qui ont résonné dans les oreilles de l'ancien qui était à côté. Je n'ai jamais eu Chapados. Même le Chinois, je n'ai pas eu. Mais le vieux qui était à côté, un jour, il est venu me dire, « Ah, Dieudonné, tu sais, hier, j'étais à l'église. » Et là, j'étais surpris. J'ai dit, « Mais comment ça, l'église ?» Et puis il s'est mis à rire. Tu sais, l'autre jour, tu parlais à Steve. Et je t'ai entendu dire, mais même si tu es jeune, ça, tu peux tomber et même mourir. Et puis il dit, ça m'a fait sursauter. Je me suis dit, mais si lui il est jeune, c'est comme ça. Et moi, j'ai déjà 62 ans. Et je suis mieux de mettre ma vie. Déjà décédé. Vous savez, ce n'est pas parce que l'autre n'a pas reçu, que tu n'as pas eu du succès, que Dieu ne travaille pas. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Ça va peut-être mal. Rends grâce à Dieu. Il est en train de faire quelque chose. Job le dit de cette façon. Me tuer, je lui ferai malgré cela confiance. Même s'il me tue, ma confiance sera néanmoins en lui. Parce que sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Alléluia. On va prier pour un moment. On va rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, pour ta bonté et pour ta miséricorde. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons de te connaître,
pas d'être récipiendaire de ta grâce. En ce jour d'action de grâce, Seigneur, nous venons, Papa, exprimer notre reconnaissance par rapport à l'œuvre accomplie à la croix, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour le prix payé, pour le sang versé. Nous te remercions, Papa, pour ceux qui vont revêtir de ton nom dans les eaux du baptême tout à l'heure. Papa, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous gardes toujours conscients, Seigneur, de notre état. Tu nous gardes conscients, Papa, de qui nous sommes et d'où tu nous as tirés, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas arriver à une place, Seigneur Jésus-Christ, où nous prenons pour acquis, Papa, le prix de la croix, Seigneur. Sont infiniment reconnaissants, Seigneur. Père, de là où tu nous as tirés, Papa, personne ne pouvait écrire ce que tu es en train d'écrire dans nos vies. Mais notre prière, Seigneur, c'est que tu amènes à perfection, Seigneur, ce que tu as commencé en chacun de nous. Papa, toi qui es le rémunérateur, l'auteur et le rémunérateur de cette foi, Seigneur. Amène cela à accomplition, Seigneur. Papa, garde-nous, Papa, tes pieds là où nous devons être, Seigneur. Et qu'un esprit de gratitude, Seigneur, soit notre quotidien, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, et que cette gratitude, Papa, puisse être contagieuse dans cette société qui, Papa, est en manque, Seigneur, de cela. Papa, en ces temps difficiles, Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur, en ces temps de confinement, en ces temps de pandémie, Seigneur. Ce serait facile de glisser, de se retrouver dans une place où notre gratitude est transformée en complainte, Seigneur. Et nous prions, Papa, que tu nous gardes, que tu gardes nos cœurs, que tu gardes nos pensées. Papa, que ta bonté, Papa, résonne continuellement dans nos vies et que ta bonté, Papa, et la machine soit évidente. Et qu'elle surpasse, Papa, notre vie aujourd'hui. En ton nom, nous te prions, Papa, au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir juste un cantique avant de partir? Si on peut juste avoir un cantique, je sais qu'il y a quelques personnes, une personne qui va se faire baptiser au nom de Jésus. Et juste un cantique pendant que on procède au baptême et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Nous voulons nous réjouir de ce que le Seigneur. Grâce au Seigneur tous ensemble, alors qu'on se réjouit, une âme est en train de revêtir du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour le prix payé.
Je